Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de profiter de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechataignier.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est devenu très populaire depuis quelques années, surtout pour les gens qui veulent perdre du poids. Contrairement au régime et autres programmes traditionnels de perte de poids, il ne restreint pas vos choix ou votre consommation d'aliments. Ce qui compte, c'est le moment où vous les mangez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le jeûne intermittent et son efficacité sur la perte de poids. L'objectif de cette nouvelle façon de s'alimenter consiste à prendre ses repas et ses collations sur une période de 8 heures par jour. Le jeûne intermittent, par exemple 16-8, consiste à limiter la consommation de nourriture à seulement 8 heures par jour et à s'abstenir de manger pendant les 16 heures restantes. L'idéal étant d'avoir une plage horaire de 7 heures du matin à 15 heures de l'après-midi. Bien que le jeûne intermittent favorise la perte de poids, celui-ci est associé à de nombreux autres bienfaits pour la santé. En effet, des études montrent que le jeûne intermittent peut améliorer la glycémie, diminuer le cholestérol et augmenter l'espérance de vie. Le jeûne intermittent est donc un mode d'alimentation devenu populaire qui limite votre consommation de nourriture à une fenêtre temporelle spécifique. Il ne limite pas les quantités de nourriture que vous mangez. Mais vous vous demandez, est-ce que le jeûne intermittent est efficace pour perdre de poids? Plusieurs études montrent que le jeûne intermittent favorise la perte de poids face à plusieurs mécanismes. Premièrement, le fait de limiter vos repas et vos collations à une plage horaire peut naturellement diminuer vos apports de sucre à votre organisme, ce qui favorise la perte de poids, sachant que c'est le sucre qui vous fait grossir. Le jeûne intermittent peut également augmenter le niveau de noradrénaline, une hormone et un neurotransmetteur qui peuvent stimuler votre métabolisme pour augmenter la combustion de calories tout au long de la journée. De plus, cette habitude alimentaire réduit le niveau d'insuline, une hormone impliquée dans la gestion du sucre dans le sang. Une diminution de ces niveaux peut stimuler la combustion des graisses pour favoriser la perte de poids. Certaines recherches démontrent aussi que le jeûne intermittent aide votre corps à conserver et à développer sa masse musculaire au détriment de la masse graisseuse. Selon une étude, le jeûne intermittent peut réduire le poids corporel jusqu'à 8% et de 16% de la graisse corporelle en 3 à 12 semaines. Mais que vient faire ici la méthode Chataignier? Lorsqu'il est associé à la méthode Chataignier, le jeûne intermittent peut accélérer la cétose et accélérer la perte de poids. La cétose consiste à manger de bonnes matières grasses et très peu de glucides. La cétose est un état métabolique qui force votre corps à brûler les graisses pour en tirer du carburant plutôt que des glucides. Cela se produit lorsque votre corps est privé de glucose. Pour activer cet état, l'idéal étant de faire une activité physique au bout des 16 heures de jeûne. La combinaison du jeûne intermittent et de la méthode Chataignier va aider votre corps à entrer en cétose plus rapidement pour maximiser les résultats. Elle peut également atténuer certains des effets secondaires qui surviennent souvent en début de cette nouvelle façon de s'alimenter, notamment la grippe cétonique, ce qui est caractérisé par des nausées, des maux de tête et de la fatigue. De plus, le jeûne intermittent est également lié à d'autres bienfaits pour la santé. Il améliore la santé du cœur. Il a été démontré que le jeûne intermittent réduit le niveau de cholestérol et le niveau du mauvais cholestérol, ainsi que les triglycérides qui sont des facteurs de risque de maladie cardiaque. Il favorise le contrôle de la glycémie. Une étude menée sur plusieurs personnes atteintes de diabète de type 2 a révélé que le jeûne intermittent aide à réduire de façon significative la glycémie. Plusieurs études montrent aussi que ce mode d'alimentation réduit les marqueurs sanguins spécifiques à l'inflammation. Il permet de vivre plus longtemps. Bien que les recherches chez les humains fassent encore défaut, certaines études sur les animaux montrent que le jeûne intermittent augmente la durée de vie et ralentit les signes de vieillissement. Il permet de protéger aussi les fonctions cérébrales. Des études menées sur des rats révèlent que ce régime alimentaire peut améliorer les fonctions cérébrales et combattre des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Il permet d'augmenter les hormones de croissance humaine. En effet, le jeûne intermittent permet d'augmenter le niveau d'hormones et de croissance humaine, ce qui aide à améliorer la composition corporelle et le métabolisme. Bien sûr, dans ce nouveau mode d'alimentation, il faut bannir tout ce qui est produit industriel, tels les hamburgers par exemple. Mais qui peut pratiquer le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent peut être pratiqué par la plupart des gens, en toute sécurité, dans un cadre de mode de vie sain. Bien sûr, les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques
et les femmes enceintes ou qui allaitent devraient, avant de se lancer dans cette nouvelle façon de s'alimenter, consulter un professionnel de la santé. Bien que les athlètes et les personnes physiquement actives puissent pratiquer le jeûne intermittent en toute sécurité, il est préférable de planifier les repas et les journées de jeûne en fonction des séances d'entraînement afin d'optimiser la performance physique. Il a été démontré que le jeûne intermittent stimule le métabolisme et la combustion des graisses tout en préservant la masse corporelle maigre, ce qui favorise la perte de poids. Combiné avec la méthode d'Atelier, le mode intermittent est un excellent moyen pour mincir, maigrir et perdre du poids. Enfin, idéalement, le jeûne intermittent devrait être pratiqué minimum 2 fois par semaine pour commencer à entrevoir des résultats. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir répondu à vos interrogations concernant le jeûne intermittent. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous rendre dans la description ci-dessous. En effet, vous avez la possibilité de profiter d'une réduction exceptionnelle de 50% sur le programme M'écrire avec l'hypnose sur le site méthodechataignier.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi nous rencontrer en cabinet sur Gap et Grenoble. Je vous dis à très bientôt en cabinet ou sur la chaîne Mincir Durablement pour de nouvelles vidéos.